bonjour chez vous, les amis. Mais t'es un peu comme notre pote des classes. T'es devenu un adulte. Oui, grâce à vous, j'ai une jolie petite coupe de cheveux, un bon boulot et une nouvelle petite amie. Donc, puisque vous avez respecté votre engagement, il est temps que je respecte le mien. Vous êtes libre de rentrer chez vous. Waouh, merci, Brainiac. Oh, inutile de me remercier. Maintenant que je suis un adulte, je réalise que collectionner les super-héros, c'est un truc pour les enfants. C'est pourquoi je me suis découvert un nouveau passe-temps nettement plus passionnant. La destruction de planètes. Réfléchis à tous ces mondes innocents qui vont disparaître. Tu dois revenir sur ta décision. Personne n'a à me dire ce que je dois faire. Je suis un adulte maintenant. Ouais. J'avoue qu'il a pas tort. Il est assez grand pour prendre ses propres décisions. Mais il va falloir quand même qu'on intervienne. On va faire quoi, ma belle? On n'est pas de taille face à ce laser géant. Rien ne nous est impossible tant qu'on travaille tous ensemble. Oui, elle a raison. En fusionnant tous nos pouvoirs, on a réussi à transformer ce crétin en adulte. Si on a réussi à faire ça, on est capable de tout accomplir. Cyborg, tu te sens capable de piloter la maison du cosmos? Je peux la piloter avec un seul doigt. Vous êtes prêts? On est prêts. Moi aussi. Alors il est temps de passer à l'action. Le portail se ferme, on ne va pas pouvoir passer. Il faut tirer sur la luette. Feu à volonté. On n'y arrivera jamais! Notre puissance de feu ne fait pas le poids! Sur le principe, tu n'as pas tort, mais désormais, nous ne sommes plus seuls dans cette lutte. Regardez qui est là! Elle a raison! Jeune Titan, ainsi que tous les super-héros et super-vilains de tout le DC multivers, en avant! Tu me déçois au plus haut point. Je suis désolée, maman.